Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai reçu pas mal de questions concernant la vidéo ZRAM. Notamment, j'ai installé ZRAM, c'est cool, ça fonctionne bien. Je n'ai eu qu'une personne qui m'a dit qu'il avait un souci, mais je me demande si ce ne serait pas à cause d'un type de matériel bien particulier. Parce qu'après avoir fait des recherches vite fait, j'ai vu que certaines personnes avaient connu des soucis avec ZRAM sur du matériel de type ARM. Maintenant, voilà, j'ai pas creusé plus que ça. Voilà, c'était des recherches vite faites ainsi sur le tas. Donc, revenons à nos moutons. Oui, j'ai eu pas mal de questions donc, concernant ZRAM, du genre, voilà, j'ai installé ZRAM, ça fonctionne bien, mais maintenant, j'aimerais n'utiliser que lui et ne plus utiliser mon fichier d'échange Swapfile. OK. Ensuite, j'ai eu quoi comme question? Virer donc ZRAM. Donc ne plus l'utiliser mais par contre remettre en service et réutiliser son fichier d'échange Swapfile. Voilà, il y a eu plusieurs questions. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça ensemble. On va faire quelques tests. Alors maintenant, c'est là que vous allez comprendre l'utilité d'une machine virtuelle. Mais c'est qu'on peut tester, se planter, recommencer sans affecter ce système hôte. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, voilà. Qui pose la question pour avoir la réponse, pour que ça fonctionne directement. Maintenant, je les comprends. Je les comprends. Ils sont sur leur système hôte. Ils savent pas trop comment faire. Ils peuvent pas partir à l'aveugle parce que s'ils font une connerie, ben voilà, c'est sur leur système hôte. S'ils n'ont pas là directement les compétences pour remédier au problème, eh bien, ils se retrouvent avec un système hôte. Je vais pas dire non fonctionnel, mais voilà, qui fonctionne pas comme ils aimeraient. Et eh bien c'est là l'utilité d'une machine virtuelle, c'est qu'on l'on peut tester, faire des conneries, se planter, recommencer. Donc petit conseil, installez-vous VirtualBox, c'est gratuit, c'est libre. Ce que vous faites, si votre système hôte c'est Ubuntu 20.04, eh bien installez Ubuntu 20.04 sous VirtualBox, donc en tant que système invité, comme machine virtuelle. Comme ça. Voilà, votre machine virtuelle correspond à votre système hôte, et vous pouvez tester à gogo. Et comme ça, ben, vous saurez ce que vous pouvez faire, vous saurez ce que vous ne pouvez pas faire, vous saurez ce qui fonctionne et vous saurez ce qui ne fonctionne pas. OK? Donc pour ma part, je suis sous VMware. Dans VMware, je lance Ubuntu 20.04. Ce qu'on va faire directement. Directement, je suis en train de me demander. Non, je vais arrêter. Voilà. Revenir à l'instantané Fresh Clone. Voilà. Et relancer. Parce que je pense que j'avais fait quelques tests avant. Ce qu'on va faire, premièrement, on va vérifier l'état des partitions ou des fichiers d'échange qu'il y a sur le système. Donc pour ma part, sur Ubuntu 20.04, par défaut, il y a un fichier d'échange de créer, hein, qui se nomme Swapfile. Donc on peut vérifier ça avec swapon variable-s, ou alors la dernière commande que j'avais montrée, c'était cat slash proc slash swaps. Voilà, je me connecte. Comme la dernière fois, pour avoir un bon visu de la situation, on va lancer GNOME System Monitor ou le Monitor System si vous préférez. Donc on va faire Monitor System. Voilà. Clac. Une instance terminale. Voilà. On va faire comme ça. Clac. Clac. Voilà, on peut voir que j'ai un espace d'échange de 923,3 mégas. Donc si je fais cat slash proc slash swaps, voilà, il me dit que j'ai un fichier d'échange qui se nomme swapfile. Ce qu'on peut voir, hein,
Swapfile est un fichier d'une taille de 945 416, donc 945 mégas, mais effectif 923, il n'est pas utilisé, priorité moins 2. Ok, génial. Maintenant, l'autre commande, c'est swap on tiret petit s. Voilà. La seule différence, c'est que le swap on tiret petit s parle un peu français. On peut voir, utiliser priorité à la place de used et priority. Voilà, c'est la seule différence. Alors, comment désactiver, je parle bien de désactiver, donc momentanément, ce fichier d'échange. Et bon, on va faire, déjà, il faut élever les droits. Ok, parce que si je fais, voilà la commande, si je fais swap off, hein, et que j'appelle mon fichier d'échange, donc slash swap file, il va me dire, oh, ouais, mais hey, il faut des droits pour ça. Ok, donc sudo swap off slash swap file. Clac, le mot de passe du seigneur qui va bien. Et regardez, dans Moniteur Système, espace d'échange non disponible. D'ailleurs, si je rappelle mon swap on-s, il n'y a plus rien. Si je rappelle mon cat slash proc slash swaps, il n'y a plus rien. Voilà. OK. Donc ça, c'était pour désactiver momentanément le fichier d'échange. OK? Maintenant, si on veut le réactiver, ben, il n'y a rien de plus simple. Ce sera sudo, on élève toujours les droits, swap on, et on rappelle son fichier, donc swap file. Voilà. Si je vais chercher la commande swap on-petit s, voilà, on a de nouveau son fichier d'échange qui est là, même taille, même priorité. OK? Pourquoi il revient identiquement? Les informations sont identiques. Ben, parce que je n'ai fait que de désactiver. OK? Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on veut le désactiver, mais empêcher qu'il ne se réactive, comment? À la prochaine connexion de session. Parce que si je fais ça, si je fais sudo swap off swap file, hop, OK, voilà, il n'est plus là, on est d'accord? Mais si je fais un sudo reboot, eh bien, vu que dans mon fstab, donc slash etc slash fstab, est signalé que il y a une activation du fichier d'échange qui doit se faire, une activation, une utilisation, eh bien, vous allez voir que je vais de nouveau me retrouver avec mon fichier d'échange swap file actif et en fonction. Activé et en fonction. Vous allez voir, je me connecte. La vidéo va être un petit peu longue, lentement expliquée, mais c'est voulu. Il faut qu'un maximum de monde puisse comprendre. Donc, si je fais Monitor System, on peut voir que j'ai bien mon fichier d'échange qui est là. Voilà. OK, il est bien là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Déjà, on va le désactiver. Donc, on rappelle la commande sudo swap off slash swap file. Voilà, le mot de passe du seigneur qui va bien. Il est désactivé momentanément. Donc, pour que à la prochaine connexion de session, il ne se remette pas en route. Mais je vais faire un sudo jedit, j'appelle l'éditeur de texte simple, slash etc slash fstab. Voilà, et ce que je vais faire, regardez. Voilà, ça c'est la ligne concernant mon fichier d'échange qui se nomme swapfile. Et bien, tout ce que je vais faire, je vais commenter. Voilà, par une dièse, j'enregistre, je ferme, et si je fais un sudo reboot, voilà. Ah, il va y avoir quelques redémarrages.
Il y en a de ceux qui ne montrent pas, voilà, c'est fait, on ne redémarre pas, voilà. Mais au moins, en redémarrant, vous voyez réellement l'impact de certaines commandes. Donc là, jusque maintenant, c'est simple. Ce n'est que de la désactivation momentanée. Et ici, hormis ici, on a. C'est pas de la désactivation momentanée, c'est définitive, mais vous allez voir que on peut réactiver ça facilement. Voilà, moniteur. D'ailleurs, ce que je vais faire, plutôt que d'aller toujours chercher ça, on va ajouter aux favoris. Voilà, espace d'échange non disponible. Terminal, on va également l'épingler puisque je vais en avoir besoin souvent. Alors toi, clac, clac, pas besoin de tout ça pour la vidéo. Voilà, et si je vais chercher ma commande swapon-s, voilà, je n'ai plus de fichier d'échange. Terminé. OK? Maintenant, le fichier d'échange existe. Il existe sur le système. Oui. Et il prend la place de presque 1 giga. Moi, perso, je laisserai comme ça. Qu'est-ce que c'est d'un giga? C'est rien du tout. Maintenant, je sais que certains vont dire, ouais, mais ça prend de la place. Donc, on peut supprimer ce fichier d'échange. Maintenant, pensez à un truc, c'est qu'ici, voilà, pour le réactiver, il suffit de faire sudo. Je dit slash etc slash oh là là, fs tab, voilà, de décommenter la ligne, d'enregistrer, clac, on fait un sudo reboot, et à la prochaine connexion de session, on retrouve son swap file actif, activé et fonctionnel, et en fonction. Maintenant, je vais quand même vous montrer la suppression de ce fichier d'échange, donc swap file, mais ce qui veut dire que quand vous voudrez remettre le fichier d'échange en fonction, il faudra le recréer puisqu'il n'existera plus sur le système. Donc, je me connecte. Voilà. Moniteur système. J'ai bien mon fichier d'échange. Voilà ce que l'instance terminale me raconte. OK? Donc, si vous voulez quand même supprimer ce fichier d'échange, rien de plus simple. Il faut élever les droits, heureusement. RM, et on veut, donc pour la suppression, et on veut supprimer quoi? Eh bien, son fichier d'échange. Et pas TM, RM. Il me demande le pass. Ah ouais, voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Il est actif. Donc, sudo swap off slash swap file. Voilà. On voit que mon espace d'échange n'est plus actif. Je rappelle sudo rm slash swap file. Là, il veut bien. OK, voilà. Donc, sur mon disque, je n'ai plus le fichier d'échange qui occupe de la place pour rien. OK? Donc, si je fais maintenant, si je reviens dans mon fstab, le souci, la ligne est décommentée. La preuve, regardez bien. Si je redémarre,
Pseudo Reboot, eh bien, on va essayer d'être attentif. Normalement, la console va nous faire un warning en rouge, puisque elle a voulu, le FSTab mentionne qu'il y a un fichier d'échange, mais fichier d'échange qui n'existe pas. Ah, voilà. Vous voyez ? Fired. Et vous allez voir que on n'aura pas de fichier d'échange activé, ce qui est normal, puisque il n'existe pas. Voilà. La preuve, moniteur système, instance terminale, on peut voir que je n'ai pas d'espace d'échange. Ok ? Donc, je rentre de nouveau dans mon FSTab. Je commente la ligne, j'enregistre, je n'aurai plus de warning. Cool, je n'ai plus de fichier d'échange. Ok. Maintenant, je veux, puisque je n'ai plus de fichier d'échange, je ne veux plus avoir affaire au fichier d'échange, je veux utiliser ZRAM. Donc, comme on l'a vu, sudo apt install. Déjà, sudo, non, on va faire apt search, et si on fait ZRAM, voilà. Donc, nous, on va installer ZRAM config. Maintenant, tâche upstart pour activer la prise en charge de ZRAM. Comme Adrien a dit, ouais, upstart, oui, ça fonctionne, mais ça pourrait ne plus fonctionner longtemps. Moi, je conseille ZRAM tools. OK, pas de souci. Maintenant, sur Ubuntu 20.04, pas de souci. Mais sur Linux Mint 19.3, si vous faites un apt search ZRAM, vous n'avez que ZRAM config. Donc ici, pour l'instant, je vais montrer l'utilisation de ZRAM config. Donc on va faire sudo apt install ZRAM-config. Voilà. Comme la dernière fois, soit on redémarre pour que ZRAM soit actif, ou alors on l'active directement. Ok, donc pour l'activation de ZRAM là directement, on fait un sudo service ZRAM-config start, pas start, start. Et regardez bien le moniteur système, boum, voilà. Même chose, si je rappelle la fameuse commande swap on-s, voilà. Je ne vais pas réexpliquer. Il y a une taille d'allocation ZRAM par nombre de CPU. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, enfin, on va faire 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. OK. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On a installé ZRAM, on a activé ZRAM. Maintenant, vous voudriez arrêter ZRAM. Eh bien, je vais vous montrer la commande. Ça va être sudo swap off, que vous connaissez déjà, slash dev, slash ZRAM, et alors soit vous vous amusez à faire ça, et puis rappeler la commande, ça, et puis rappeler la commande, ça, puis rappeler la commande, ça, ok, ou alors vous terminez avec une étoile, ok, clac. Alors si je fais swap on-s, ok, j'ai plus rien, mais on va quand même utiliser une autre commande, sudo zramctl, donc pour faire un reset du service ZRAM. Donc on va faire sudo zramctl tiré tiré, donc reset slash dev slash
ZRAM. Et alors, même chose, vous pourriez faire 0, rappeler la commande, 1, rappeler la commande, 2, rappeler la commande, 3, mais alors vous pouvez mettre étoile. Voilà. Et là, c'est bon. OK? C'est bon. C'est désactivé. Maintenant, encore la même chose. Si je fais un sudo reboot, vous allez voir que on va de nouveau se retrouver avec ZRAM activé et en fonctionnement. Ça, c'était juste pour arrêter ZRAM, on va dire, momentanément, pour la session. Parce que ZRAM est installé. C'est-à-dire que là, je relance le système, je vais me reconnecter. ZRAM va de nouveau, à moins que je dise une grosse connerie, va de nouveau être en service. D'ailleurs, voilà, monitor system. Voilà, j'ai de nouveau ZRAM actif. Alors, ZRAM, c'est quoi son boulot? C'est de compresser la RAM. Parce que certains n'ont pas bien compris que un fichier ou une partition d'échange est un espace sur le disque qui va permettre, qui va prendre la décharge de la RAM quand il n'y aura plus assez de place. Ça veut dire qu'il n'y a plus assez de place dans la RAM va se décharger dans ce fichier d'échange ou dans cette partition d'échange. Donc, au moment du déchargement, eh bien, il y a des accès disques. Si c'est un SSD, ça passe. Si c'est un HDD, c'est un peu la galère. Tandis que ZRAM, son boulot, c'est de ne pas avoir accès au disque. C'est pas ça son boulot. C'est de compresser ce qui est utilisé en RAM. OK? Mais il y a une mauvaise interprétation du moniteur système, des moniteurs système, et il nous montre ZRAM, hein, donc l'utilisation de ZRAM en tant qu'espace d'échange. C'est pour ça que vous voyez ici espace d'échange. OK? Mais il n'y a pas d'accès disque. Voilà. Ensuite, oui, voilà. Maintenant, si on ne veut plus ZRAM du tout, eh bien, sudo apt auto remove ZRAM-config. Clac. Ah oui, mais, voilà, j'allais dire, oui, mais, voilà, on va rappeler les deux autres commandes, hein, donc sudo swap off slash dev slash ZRAM étoile et sudo ZRAM CTL tiret tiret reset slash dev slash ZRAM étoile pour arrêter proprement et puis supprimer, mais non, parce que vous allez voir que le sudo apt auto remove ZRAM tiret config, donc je vais mettre mon passe, va arrêter donc le service ZRAM proprement et supprimer le service. Regardez bien. Voilà. Donc c'est supprimé. On le voit toujours là. D'ailleurs, si je fais OK, c'est toujours bien là. Mais maintenant, je vais faire un sudo reboot. Et vous allez voir que il n'y a plus de ZRAM du tout. Il n'est plus en fonction parce qu'il était supprimé correctement. Donc le apt auto-remove ZRAM-config supprime le service. Comme il n'y a plus de service, donc le service ça démarre, hein, au démarrage du système, mais comme il n'y a plus le service ZRAM-config, eh bien, on n'aura plus ZRAM d'actif. La preuve, boum,
Et attention, oh, je n'ai plus rien du tout. Mais là, c'est vraiment plus rien. Merde, plus de fichiers d'échange, même plus l'alternative ZRAM. Ok, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On se recrée un fichier d'échange? Voilà, c'est pour ça que j'avais dit de ne pas le supprimer, parce que maintenant, il faut le recréer. Ah, ben oui, parce que si je me rends dans mon sudo, je dis slash etc slash fstab, c'est pas le tout de me rendre ici et de faire ça et de sauvegarder. J'aurai toujours les warnings. À travers la console, donc au lancement du système. Ok? Je vais le laisser comme ça. Ok? Je décommente parce que de toute façon, je vais le recréer ici. Donc, avec quelle commande? Donc là, pour recréer un fichier d'échange, ce sera sudo. Et alors, il y a la fameuse commande falloket. Falloket tiret petit l. Alors là, on va préciser l'espace, le, oui, l'espace à prendre sur le disque de concernant le fichier d'échange. Moi, je veux 1 giga, donc 1024 mégas. Dans quoi? Dans un fichier d'échange que je nomme swapfile. Voilà, c'est fait. Alors vous dites, oh génial! Oui, mais pour que ce fichier swapfile ne soit lu que par le système, on va appeler le fameux chmod, pas chmod plus x, non, 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 chmod sur 600, et ça concerne notre fichier swapfile. Yeah! Alors, ensuite, je ne sais plus, je ne sais plus. Parce que pour que le fichier swapfile soit pris en compte, donc en tant que fichier d'échange, je ne me rappelle plus, c'est mkswap, je crois. Ouais, je pense que c'est ça. C'est sudo mk. Voilà. Sudo mkswap sur swapfile. Ok, d'accord. Et normalement, je pourrais utiliser donc swapon, la commande swapon pour l'activer. Mais je vais faire un sudo reboot. Et normalement, là, on a recréé notre fichier d'échange et il sera actif parce que on a décommenté notre fstab. On va voir. Je me connecte. Normalement, on est bon. On va avoir un fichier d'échange. Pas de 1024 mégas. Hein, parce que effectif, ce sera moins. Ah ben non, 1024 mégas. Ok. 1024. Donc c'est bon. Donc swapon-petit s. Voilà. Maintenant, ben, si vous voulez de nouveau. Oh, hein, installer ZRAM, il n'y a aucun souci, sudo apt install ZRAM-config, voilà. Voilà. Voilà, si je fais swapon. Ah ouais, il faut redémarrer. Alors moi, ce que je ferais perso, hein, perso, hein, si vous voulez. Enfin, moi je laisse comme ça. J'ai un fichier d'échange, j'ai ZRAM, ZRAM est prioritaire, ensuite le fichier d'échange, hein.
Mais sinon, vous pouvez très bien utiliser XZRAM, mais désactiver votre fichier d'échange. Donc ce sera, voilà, ça. Ça, vous décommentez, mais vous ne supprimez pas le fichier d'échange. Voilà. Ah, clac. Vous faites sudo reboot. Donc, on n'aura plus. Le fichier d'échange ne sera plus actif, mais il n'est pas supprimé. Donc, on peut le réactiver dès que l'on veut au travers de FSTAB. Et on va avoir ZRAM qui, lui, sera en service et fonctionnel. Voilà, et normalement, comme on dit par chez nous, normalement, je vais dire dans quelques secondes, bah tu vois, c'est juste Auguste. Moniteur système, ok, j'ai bien un espace d'échange, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est une mauvaise interprétation, hein? Et si je rappelle la commande swapon-s, voilà, ZRAM est bien installé, activé, il est en fonction et je n'ai plus mon fichier d'échange d'activé qui est en fonction. Mais il suffit que, voilà, si du jour au lendemain ben, je veux plus ZRAM, je le vire, sudo apt auto-remove ZRAM-config, au revoir et je réactive mon fichier d'échange au travers du fichier de configuration FSTAB. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao.